Bonjour, je suis Amandine Potra. Je travaille actuellement à la communauté d'agglomération Val-de-France, qui est une structure qui regroupe quatre villes, donc Villiers-le-Bel, Sarcelles, Arnouville et Garges-lès-Gonesse. J'ai choisi la licence CPNM car il s'agit avant tout d'une formation professionnalisante, car selon moi, l'alternance est un grand pas dans la vie active. Au cours de la licence, on a eu pas mal de cours de PAO, en fait, d'utilisation des logiciels graphiques, qu'on n'avait pas forcément eu avant en BTS ou quoi que ce soit. Et ça a été un vrai atout en fait pour trouver cet emploi, parce que j'avais quelques bases en fait. Je touchais un peu à tout. En ce qui concerne le programme de la licence, je trouve qu'il s'agit d'un bon équilibre entre la théorie et la pratique. Ma préférence, elle est principalement vers les interventions extérieures, car selon moi, cela apportait vraiment du concret. On avait des projets très intéressants et de vrais projets. Tout en alliant en fait, tout en continuant d'apprendre les bases de la communication. En lien avec la licence, je souhaitais trouver un emploi en fait dans une collectivité, car je souhaitais avoir une diversité de tâches en fait, pas arriver au bureau et savoir ce que j'allais faire le matin. Pour terminer, je m'occupe aussi de la réalisation de supports de communication pour des événements, des tracts, des affiches, mais aussi des plaquettes d'information. J'assure aussi également le suivi de fabrication auprès des imprimeurs et la diffusion auprès des structures ou des habitants. Tout ça pour les différents services de Val-de-France, le sport et la culture, le développement économique et l'emploi.